Bonjour, nous sommes avec Muriel des éditions Erol. Pouvez-vous nous parler des éditions Erol, vous présenter et présenter vos éditions? Bonjour, donc Muriel Saint-Stéphane, je m'occupe des livres d'informatique aux éditions Erol. Donc on est une petite maison d'édition assez reconnue, on va dire, dans tout ce qui est thème professionnel en informatique et en particulier tout ce qui est logiciel libre. Voilà. Justement, vous avez donc une collection de livres autour de l'open source. Quand est-ce qu'a commencé ce choix d'éditer dans ce domaine-là? Et quels sont les domaines en général que vous touchez? Alors, effectivement, la collection Accès Libre a démarré en 2003 avec un premier titre sur openoffice.org par Sophie Gauthier, qui à l'époque s'occupait de la communauté francophone. Enfin, et ensuite, on a développé petit à petit en partant de logiciels libres pour utilisateurs pour aller vers des outils beaucoup plus métiers, beaucoup plus professionnels destinés à des entreprises comme OpenERP. Et bien sûr, on ne met pas de côté tout ce qui est bonne pratique de développement, en particulier web, interopérabilité, les standards du web. Voilà. Donc là, Accès Libre aujourd'hui, on compte une quarantaine de titres. Voilà, il y a deux formats, un grand format et un format poche en 15-20. Je vois que vous avez fait du PHP. Nous, on a eu l'occasion d'interviewer François Hellic, donc sur l'économie du logiciel libre. Quels sont d'autres thèmes phares dans ce domaine-là? Alors oui, le développement web, effectivement, c'est une grosse, c'est un peu une locomotive en termes de vente, parce que tout le monde a un site et tout le monde va faire du développement web. Donc évidemment, PHP, c'était un thème très très important, mais c'est vrai qu'on va quand même, enfin, on essaie de se diriger vers des bonnes pratiques. Par exemple, le titre sur l'ergonomie web, qui maintenant est une référence, d'Amélie Boucher. A vraiment fait pas mal de bruit. On continue dans cette voie. Ça c'est pour le développement même. Ça, évidemment, ça ne nous empêche pas évidemment de traiter les langages eux-mêmes, Ruby, Python, PHP. Mais ça c'est pour tout ce qui est. Enfin, je pense qu'il faudra aussi s'attaquer au thème de l'accessibilité. Et sinon, les autres thèmes, il y a évidemment, on balaye un petit peu tout l'informatique, hein, ça va des utilisateurs jusqu'au génie logiciel. Parmi les autres thématiques qu'on traite beaucoup en logiciel libre, c'est tout ce qui est graphisme, son et vidéo. Là, on a un titre qu'on attend à la rentrée sur le montage vidéo. Voilà, on est très, très contents de ça. Il y a les livres sur GIMP, évidemment, Blender, Inkscape, même QCAD, des choses un peu plus confidentielles. Et voilà, donc on a aussi tout ce thème-là qui est développé. C'est très large, en fait. L'économie, les systèmes plus généraux. Alors, l'économie du... Oui, ça, c'est un thème un petit peu à part. On s'intéresse, on a toujours eu une orientation un peu pragmatique. Mais c'est vrai que des thèmes comme l'économie du logiciel libre de François Hellic, c'est un thème vraiment fondateur pour nous, parce que ça nous permet un petit peu de formaliser, d'aider à formaliser un petit peu tout ce mouvement avec des auteurs de référence. Et je pense qu'on va essayer de creuser un petit peu cette voie. Très bien, mais merci beaucoup et bon salon. Merci à vous.